Bonjour, bienvenue en Pays Catalan, ici Jean-Michel Martinez, journal catalan pour TV4. Je suis ici avec Vincent. Vincent, il est en train de nous créer un data center sur la zone du Boulou dans les Pyrénées-Orientales. Alors vous participez au concours Alfred Sauvy 2016, ici à la Villa du Flot, où on a la présentation un petit peu de tous les candidats. Alors quelle est votre entreprise, quelle est l'innovation que vous apportez ici dans le département ? Bonjour Jean-Michel, bonjour tout le monde. Alors l'innovation, c'est d'amener en fait et de créer un data center local. Alors c'est un autre concept de data center, puisqu'en fait l'idée de data center, c'est de stocker des serveurs dans une grande salle, et là en fait on a tout miniaturisé, on crée plutôt un bunker dans lequel il y aura des différents types de serveurs de haute technologie chez IBM et Cisco. Donc pour que les gens comprennent, il faut des salles blanches, sans poussière, pour que tout fonctionne à la bonne température. Et... voilà, il faut que ce soit à bonne température, mais en fait, c'est surtout, il y a différentes technologies de chaleur, air chaud, air frais pour les couloirs. Il y a aussi résistance au feu. Avec toute l'extinction et puis le bunker résiste. Sécuriser toutes ces données, quoi, c'est ça. Voilà, la résistance par rapport physique, pour sécurité physique, et la sécurité effectivement logique, puisqu'on appelle l'antivirus, etc. Enfin, toute la technologie pour sécuriser les données. Donc vous allez nous amener des gros clients dans le département comme Google, Facebook, j'en sais rien, je vais pas... IBM. IBM, oui. IBM, oui, puisque je travaille avec eux. Google et Facebook et tout ça, non. Maintenant, j'espère... Cette surface aux États-Unis. Oui, ils viennent aussi en France. Par contre, j'espère surtout amener des outils qui permettront aux informaticiens dont je fais partie, mais où on est beaucoup et beaucoup d'amis, à essayer de développer économiquement et numériquement le département. Voilà, on aura des nouvelles technologies pour pouvoir développer ce département. On a un peu loupé l'industrialisation ici dans notre département. Peut-être qu'on va, grâce à vous, un petit peu prendre le coup de l'informatique et le numérique. Ça serait bien. Grâce à moi, mais pas que à moi en tout cas. Hein. De stocker les données des entreprises locales, d'apporter des outils numériques pour pouvoir développer les entreprises, mais aussi développer des nouvelles technologies comme on voit ici, puisqu'on est plusieurs concours. Il y en a qui créent des logiciels, il y en a qui créent des différents dans le domaine numérique, coloriage et tout. Donc voilà, tout le numérique est partout et il faut pouvoir stocker localement et apporter ces outils et pas savoir dépendre d'autres en fait. Très bien. Alors c'est Vincent Potlunsek, parce qu'il a peur que je prononce mal son nom. Merci, je l'ai bien dit ou pas? Potlunsek, enchanté. Et à bientôt.